la caméra. Toujours. Toujours. Du coup, je dépressurise. Ce matin, on a eu un petit peu de renfort et on a monté plein de bois à l'étage pour terminer le plancher. L'heure est grave. Je vous annonce qu'on a fait une grosse connerie. On va réparer notre bêtise. On a oublié de passer notre pare-vapeur avant de mettre le plancher. Donc on a déjà commencé à réparer d'un côté. Et là, on a acheté du pare-vapeur. Et on va réparer ça. Et ouais, on a oublié. On est des petites têtes de linotte. Bon voilà, la bêtise qu'on a faite, la voici. Alors, c'est ici. Avant de mettre le plancher, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait mis un morceau de bois pour coller les planches. Et en fait, on a oublié, en mettant le morceau de bois pour créer l'appui des planches, on a oublié de passer un morceau de pare-vapeur. Donc là, tout est fait, il nous reste à revisser les planches, tout est repositionné. Là pareil, donc tout le long. Bon, ça y est, maintenant qu'on a réparé notre petit oubli, c'est parti, on retourne là-haut, on continue le plancher. Voilà, mi-après-midi, on fait un petit point plancher. Donc on a installé notre plan de coupe ici, notre atelier de coupe. Et après, on a commencé tout ça. Ça va être notre salle de bain, énormissime. Stylé. Donc il y a encore une rangée à faire là au bout. Et puis après, une coupe, la dernière coupe. Qu'on n'a pas faite non plus là-bas de l'autre côté derrière l'aspirateur. Donc c'est des choses encore à faire, mais ça avance bien là. On a notre rythme. Et maintenant c'est l'heure de quoi, Yo-Yo? Du goûter. La bière? Non, du goûter. Bon, on continue le plancher. Hier soir, on a coupé deux lignes de planches. Donc, je vais les coller. Je suis tout seul aujourd'hui sur le chantier. Tout seul avec la caméra. On part sur un timelapse. C'est parti. Je dois décaler les lignes, coller, visser, tout ça. Let's go.
Bon, tout seul, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut décaler les planches. Enfin, c'est un bordel. On peut pas les porter à deux et les mettre sur la colle. Donc, ce que je fais, je sais pas si vous avez pu voir dans le timelapse, c'est que je pose la planche et après, je la tire et poc, je la fais tomber à l'endroit en croisant les doigts à chaque fois pour que la languette prenne pas trop, ne pète pas toute seule. Bon, la première ligne, je l'ai fait comme ça. La deuxième, bah, je vais continuer de la même manière parce que ça marche bien. Je vais me remettre une planche là-bas, me la rapprocher un peu. Et puis on enchaîne. Je vais faire un petit point sur le fait qu'on n'ait pas mis de bande résiliente sous le plancher. Donc je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on avait peur de ça. La bande est quand même assez molle. Et on avait peur qu'à force, ça se tasse dans le temps. Et du coup, notre vis va prendre du jeu au niveau de la planche. Donc quand on va appuyer sur la planche, qui sera comme ça là, la tête de vis va avoir tendance à remonter un peu, vu que la bande va se tasser. Et notre crainte, c'était que la planche joue et que ça commence à faire des grincements en fait. Avec la colle, normalement ça met un petit film sous les planches. Donc il y a un petit film sous les planches qui se met et les planches peuvent pas trop bouger, peuvent plus bouger. Donc on préfère coller au final languette, rainure et visser sur les solives. De toute façon, en dessous, on va isoler entre les solives le plancher avec de la fibre de bois, donc ça va amortir tous les bruits de choc, etc. Et par dessus, si on le souhaite, par dessus l'OSB, on peut rajouter 20 mm ou 30 mm ou 40 mm même de fibre de bois dure, rigide, pour amortir les chocs et poser le parquet par dessus. Voilà, donc c'était une petite précision là-dessus, parce que vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé. Mais pourquoi vous ne mettez pas de bande résiliente? Tout simplement, pour ça, on avait peur. Mais après, vous pouvez totalement le faire. Et il existe sûrement d'autres bandes résilientes, mais nous, on n'a pas forcément pris le temps de chercher les bandes résilientes adéquates, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, on continue le plancher, c'est parti. Allez, troisième ligne de posée. Eh ben, c'est hyper long quand on est tout seul. Zouzou me manque trop pour travailler. Allez, petit rendu. Ah, aujourd'hui, j'ai du renfort, ça y est, j'ai retrouvé mon binôme, ma petite Zouzou. Oui. Bon, on termine le plancher, et aujourd'hui c'est terminé, hein. Il ne reste plus rien. Hier soir, j'ai terminé à 20h, grosse journée, là, quelques découpes à faire, un tout petit espace, là, il y a trois lignes de planche à mettre, et ça sera... Fini, 75 mètres carrés de plancher posé.
Donc voilà, ça y est, notre plancher du premier étage est terminé. Et puis bah là, la prochaine étape, on attend du matos mi-avril, notamment de l'isolant extérieur.